Allez, c'est parti pour donc une petite ATH donc ensemble. Voilà. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Moi, je suis débutante. Je ne vous dis pas le stress que j'ai. Donc, on va déjà coller nos plaques. J'en ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je ne sais pas si je mettrai la huitième en rose ou pas, ou si je vais laisser en blanc pour pouvoir noter des petites choses. Donc j'ai pris le même papier qu'hier. Il m'en restait, voilà, j'ai pris le cardstock comme ça pour que ce soit très épais. Parce qu'il faut que ce soit quand même assez épais. Le papier comme ça, c'est celui d'hier aussi, que j'avais pris une feuille la dernière fois, le Flower Blooming. Voilà. Donc, on va déjà s'amuser à les coller ensemble. Donc, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je ne vais pas trop vous prendre la tête, mais vous me direz après vos retours, hein. Donc, on va commencer à coller tout ça. Donc, je vais finir cette colle. Hop. Là, ça va coller partout, c'est pas grave, on nettoiera après. Donc vous faites en sorte qu'ils se rejoignent bien de partout. Ce soit bien ensemble. Hop. Je suis en fin de colle, donc je devrais la finir, hein. Pas gâcher. Hop, vous reprenez un cœur, vous remettez dessus pour la TH. Donc là, c'est une ATH qui est bien dans ce qu'il faut, hein. Elle est dans la bonne taille. De toute façon, il ne faut pas que ça dépasse 10 de hauteur et 9 de largeur, ou 9 de largeur et 10 de hauteur. Il ne faut pas que ça dépasse, mais par contre, ça a le droit d'être en dessous. On pouvait faire des ATH plus petites, mais pas plus grandes. Voilà. Pour celui-ci. Hop. Et on colle. Je peux pas vous faire d'avance rapide ou de choses comme ça. Je ne sais pas comment on fait. Moi, je fais avec mon téléphone. Alors, je sais pas comment on fait les poses. Je sais pas. Voilà, la débutante dans toute sa splendeur. Je vois, il y en a à mettre des musiques. Elles font un tas de trucs, mais moi je ne sais pas faire, donc ça sera vous aurez toute la vidéo, hein. Donc soit si ça vous ennuie le collage, vous faites avance rapide et puis voilà quoi. Hop, on colle, on colle, on colle bien partout. Hop. On met son petit cœur, on le rejoint bien avec les autres, que ce soit bien collé, bien qu'ils soient bien rejoints tous ensemble. Voilà. Ça m'a pas l'air mal. L'autre blanche, et après on va finir avec la rose où on fera l'un des coups. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça je l'ai trouvé sur la chaîne de Colle Tout Partout. Voilà, sur sa chaîne, elle est super. Elle est très sympathique comme dame, j'aime beaucoup. On a un bon, enfin, on la
connaît pas, mais ça fait un bon feeling, quoi. Quand on la voit, ça va être très sympa. Quand on la voit en vidéo, c'est très très sympa. Donc ça vient de chez Colle Tout Partout, hein. Moi, j'invente rien, je copie. Donc voilà. Hop. Bon, là on est bon. On va coller. Là, ça y est, j'arrive à la fin. Je vais pouvoir jeter le tube. Hop. Alors, je suis restée dans le rose. J'aime bien. On va voir ce que ça va donner après pour la déco. J'ai sorti quelques petites choses. J'espère que ça va aller. Parce que là, je suis au maximum de mon stress de devoir filmer là. Enfin, c'est pas le coup de filmer, mais après de devoir vous montrer. Puissiez comprendre quelque chose ou que ça vous ennuie pas non plus. Excusez-moi, je suis toujours dans mon ménage, mais j'aime pas. Après, on en met partout, de la colle, ça le fait pas. Hop, tac, 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 j'enlève la colle qui avait coulé. Tac. Donc là, voilà l'épaisseur des petits cœurs. Donc j'ai pas mis celui-là, du coup je le mettrai pas, je vais laisser en blanc. Comme ça, je pourrais venir noter mon nom, mon mail, mon pseudo YouTube, voilà. Donc on va venir faire le trou. Donc le trou, il doit tout le temps être à gauche. Donc moi, je prends, j'ai pas la i. J'ai pas la machine, donc on va venir le faire par là. Alors, faut que je force parce que c'est dur. Hier, il a fallu que je m'amuse. Je vais tourner un peu. Ah, là, vous avez du direct, hein. Je vais prendre de l'autre côté. Hop. Facile. Je pense que si j'avais je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai dit hier. Je voudrais pas tout déchirer. Voilà. J'ai réussi à faire un trou à gauche. Donc, vous avez le trou. Parce que vaut mieux le faire avant, c'est plus pratique pour après faire vos décos. Donc, j'ai pris un tas de petites choses. On va voir ce qu'on va mettre. Voilà, on va essayer. Alors, ça peut dépasser, hein, c'est pas gênant. Alors, avant, je vais venir ancrer mon bord. Je vais prendre la Sugar. On va venir ancrer le bord. Voilà. Ça fera plus joli que le blanc tout seul. Hop. Ça fera beaucoup plus joli d'ancrer. Ancrer tout autour. Hop. Comme ça laisse pas tout blanc. C'est beaucoup mieux.
Alors, si vous trouvez que je fais des bêtises ou que je dis des bêtises, bah dites-le-moi. Moi, j'ai jamais fait de tuto de ma vie. C'est mon premier. Moi, je l'ai fait parce que une copinette qui a mis en message que ça serait sympa que je mette, que je fasse des tutos. Ça ferait peut-être un peu évoluer ma chaîne. Elle n'a pas tort. Mais c'est vrai que moi je me sens pas. Enfin, je me trouve pas apte à vous faire des tutos, quoi. Parce que moi je suis novice et je me dis aller faire des tutos des nanas qui bossent déjà, qui font déjà des trucs super. Enfin, bon, je me trouve pas très. Mais écoutez, hein, si on se lance pas, on se lance pas. Jamais. Donc je fais tout devant vous. Donc je nettoie mes. Voilà, petit sopalin. On met un peu d'eau, on frotte pour plus avoir d'encre. Je fais vraiment tout avec vous. Mais il faut que je m'en achète. Pourtant j'en ai beaucoup, beaucoup de choses, mais. Faut que j'arrête de dire je vais acheter, je vais acheter. Là, non, 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 là, ce mois-ci, j'achète rien. Je fais avec ce que j'ai parce que c'est. En fin de compte, on achète et après, on oublie tout ce qu'on a. Et en fait, on a un max de trucs, quoi. Donc, j'ai pris ça. C'est dans les découpes qu'on m'a offertes. Donc, ça peut dépasser, c'est pas gênant. Pris ça, j'ai pris le petit garçon à vélo, la petite fleur. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que je suis en train de faire. J'essaie de placer pour voir ce que ça pourrait donner. Ça. Alors, si vous entendez la télé de l'autre côté, c'est mon mari qui est de l'autre côté dans le salon qui regarde la télé. Donc, ça, comme c'est une pièce qui est juste à côté, la porte est fermée, mais bon. On peut entendre quand même. J'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça. J'avais ça aussi. Non, ça va pas. J'avais ça, mais c'est trop blanc. Non, on va partir là-dessus. En fait, on va partir là-dessus. Fée aussi que je trouvais super jolie. Je pourrais peut-être mettre en relief. En 3D. Pourquoi pas. Je parle toute seule. Ça fait bizarre. Tout comme ça.
Comme ça. Avec la petite fleur. Ça, j'aimerais bien le mettre. Oui, allez, on se lance. Si je me lance pas. Allez, je me lance. Je vais mettre déjà ma petite fleur. Alors, on pousse. Alors, normalement, j'ai des petits outils exprès pour tenir. J'ai des petites pinces que j'ai achetées qui sont dans mon pot. J'ai vu, je me suis dit, oh, c'est bien, mais je ne fais pas. C'est un peu compulsif en fait quand on achète. Des fois, c'est vraiment pour avoir pour avoir quoi. C'est vraiment pour dire, mais je le veux ça. Je le veux. Moi, je serais un peu comme ça. C'est un peu, je veux. Je veux, donc j'aurai. Je serais un peu comme ça, moi. Ça serait un peu un défaut chez moi de tout vouloir avoir. Alors, pas spécialement pour faire comme les autres, mais c'est que je trouve tout bien. Et du coup, je trouve tout bien et j'ai envie de tout avoir. Et après j'aime, mais il y a beaucoup de choses en fait dont je ne que j'utilise pas. Je m'en déco parce que voilà, en plus je trouve ça joli. Donc là je mets des petits carrés en 3D parce que je voudrais qu'elles soient. Alors, vous entendez du bruit, je suis désolée. C'est mon mari qui range. Désolée pour le bruit. Concentrez-vous sur ma voix. N'entendez que ma voix. Voilà. Hop. On va enlever les petites étiquettes. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. Parce que moi, je vous dis, je ne sais vraiment pas faire les avances, les pauses, les rapides, les. Je suis pas, je suis, j'ai que du basique. Déjà, j'ai commencé à trouver des petites choses pour pouvoir. Donc, j'ai pu mettre une photo de rose sur mon YouTube où j'ai mis une petite photo où il y a des roses. Ça, j'ai su faire. Je sais mettre les i maintenant pour mettre des infos sur mes autres vidéos. Ce que je ne savais pas faire, qu'on m'a expliqué. Hop là. Voilà, j'espère que ça va être joli. Je mettrai bien un peu de paillettes. Ne nous éparpillons pas. Une chose à la fois. J'aime bien cette petite fleur. Comme ça. Avec un petit truc 3D, est-ce que ça va tenir? Hop, il y a un petit cœur au milieu. Ça, c'est dans des envois qu'on m'a fait de copinettes qui m'ont envoyé plein de jolies choses. Donc, du coup, ben, j'en profite pour les mettre.
Non, sa citation, je ne vais pas m'en servir. De tendresse, ah, peut-être ça comme ça là, ouais. Ouais, petit souffle de tendresse rouge là, ça me plaît bien, on va mettre ça en 3D, hop. Voilà. Et on va le mettre comme ceci. Hop. Voilà. Des perles, parce que j'ai pris ça, mais ça je vais peut-être en accrocher là si ça passe. Je sais pas si ça va passer dans le trou. Est-ce que ça passerait ça? Non, ça va pas passer. C'est trop petit. Non, c'est pas grave. On va mettre quelques petits brillants. Un petit cœur rouge du coup pour rappeler le souffle de tendresse. Un petit cœur. Je rangerai ça tout à l'heure. Elles sont peut-être un peu grosses, mes perles. Je vais en prendre des plus fines. Je me mets à ranger, je suis en train de faire un tuto. Je réfléchis, ça m'arrive. À moins que je mette des petits cristaux comme ça.
ça. Une petite anstras. Comme ça. Si je prenais un ciseau, ce serait peut-être mieux. Vous en pensez quoi? Hein? Si je prenais un ciseau. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai du mal à charger, hein. Pourtant, je trouve ça super joli quand il y a beaucoup de choses, mais voilà. Je vais peut-être mettre ça. Je vais peut-être mettre une petite perle au milieu. Un petit strass. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît bien comme ça. Je trouve ça pas mal pour une première ATH. Voilà, donc derrière, vous venez y mettre votre pseudo. Vous pouvez, je crois, mettre votre date de naissance, votre mail, votre pseudo YouTube, si vous avez une chaîne. Voilà, vous venez mettre là. Donc voilà, pour cette petite ATH, elle est finie. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de ce tuto, si vous avez aimé. Voilà, ça a été un peu long, hein, mais bon, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop dur avec moi. C'est mon premier et franchement, c'était du stress. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je remonte mon ATH. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, à bientôt.